Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo spéciale qui je pense va faire office de tier list sur Edge of Wonder 4. Alors vous savez qu'on avait déjà fait donc déjà une review sur ce jeu. Et effectivement, souvent je me suis tâté pour vous faire une partie, au moins une partie complète, puisque vous savez que principalement ce jeu se fait surtout sur... Ah oui, effectivement, il y a une campagne. Hein. Il y a effectivement une campagne. Mais c'est pas non plus le cœur du sujet, je pense. Même s'il y a 2-3 maps sympas. Je vous avais déjà expliqué que moi, je considère que ces maps-là, c'est quand même vraiment le minimum du minimum, hein, en termes de hiérarchie. J'avais aussi expliqué que comme il n'y a plus de maps successives avec le même perso, et bien qu'on perdait un petit peu en intérêt. Cela dit, on n'est pas là pour parler de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo précisément sur des points précis, un petit peu d'optimisation, de vous dire mon avis sur chaque élément, en lieu et base de la deuxième, de la troisième, quatrième extension, je pense. Voilà, à peu près. Donc, Eldritch Realms. Sachant que, ils ont prévu, de ce que j'ai compris, c'est pas encore officiel, hein, mais c'est officieusement, a priori, ça a tellement bien marché qu'il y aura peut-être une deuxième vague. Hein. Donc après, Primal Fury, Eldritch, voilà, Empire of Ashe, on les voit en haut, là, effectivement. Il y aura une deuxième série, donc peut-être 3, 4, je ne sais pas. Petit DLC. Donc c'est en intégrant tout ça que je vais vous donner mon avis aujourd'hui, puisque le jeu a, mine de rien, pas mal bougé en termes d'optimisation et de choses dont on peut parler. Donc on va faire comme si je dois avoir aussi quelques parties, pas mal hein, d'ailleurs, de parties qui ont été faites. Donc je n'exclus pas de recharger aussi des parties pour faire quelque chose d'un peu plus avancé. Mais en lieu et base, on va partir comme si on faisait une map normale. Souvent celui que je prends de base, c'est le Pangée Continent que j'ai fait moi-même. C'est un truc un peu personnalisé. Alors qu'est-ce que je vous recommande si vous voulez vous amuser un petit peu? On va partir du principe que vous voulez jouer un petit peu sérieusement. Laissez moyenne, mettez 6 joueurs. Alors je vous dis tout de suite, pourquoi ne pas mettre 9 joueurs? Tout simplement parce que, alors déjà vous pouvez mettre plus hein, d'ailleurs, si on part sur plus, très grand. Ça peut même partir. Non, ça reste à 9. Ouais, donc ils ont un peu diminué, je pense. Hein, parce qu'avant, on pouvait faire peut-être 12, un truc comme ça. Je sais plus. Ça. Mais en tout cas, voilà, moyenne. Ne partez pas sur 9. Pourquoi? Parce que 9 joueurs qui jouent au début, ça va à peu près aller. Dès que vous allez être en milieu de partie endgame, c'est l'enfer. Chaque tour, vous allez mettre, sans rire, hein, 2 minutes avant que tout le monde ait joué. C'est infernal. Donc, mettez même pas 7 comme ils recommandent, mais plutôt 6. 6, c'est bien. Un joueur vaincu, c'est encore, bah finalement, vous faites partie des 6. Hein. Donc c'est encore 4 joueurs qui sont face à vous. Donc vous voyez, ça vous laisse le temps de vous amuser quand même un petit peu et d'aller assez loin. Même si, une fois que vous avez vaincu une personne en général, c'est déjà plié, hein, effectivement, parce que vous avez l'équivalent des bases du gars, quoi. Hein, donc ça veut dire 2 bases, voilà. Sauf s'il y a des cas où, par exemple, un joueur ennemi a déjà vaincu quelqu'un, ce qui peut arriver, mais qui est plutôt rare. Donc 6 joueurs, difficulté brutale, hein, on va pas tourner autour du pot. Système de tour simultané. Alors effectivement, ça présente quelques axes quand même, le simultané, parce que, en gros, vous pouvez jouer avant l'ennemi, alors même que c'est un nouveau tour. Ce qui fait que potentiellement, ça vous permet de faire des choses intéressantes. Maintenant, l'avantage surtout, c'est pour n'importe qui a pas, hein, je sais pas, un Intel Pentium, Intel 9, vous voyez, i9, et bien vous allez voir le temps que ça met, que chacun joue son tour, etc. Donc que tout le monde puisse jouer en même temps, c'est plutôt pas mal en fait. Donc moi je vous recommande simultané, rien que pour la question de, voilà, de que ça prenne le moins de temps possible de chaque tour, quoi. Ensuite, vous devez aller en avancée. Alors en avancée, soit vous jouez un peu softcore, basique, sans éléments à rajouter, etc. Et vous prenez bah, Pangée, hein, comme on a vu au début. C'est juste, en gros, un bloc, voilà, avec de l'eau un petit peu autour, voilà, mais c'est tout. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là me paraît être le plus normal, normatif, je sais pas comment on pourrait dire. Donc voilà, ça va très bien. Au niveau des factions,
Vous pouvez faire de la création de dirigeants, comme ça c'est encore plus aléatoire, parce qu'au bout d'un moment vous tournez toujours un peu avec les mêmes, hein, donc avec les dirigeants personnalisés. Donc création de dirigeants c'est bien. Équipe non, parce que sinon ça va être encore plus simple pour vous. Autoriser les traits d'ascension, oui, puisque c'est les nouveautés qui peuvent se... Alors c'est un peu moins normatif dans le sens où vous pouvez avoir un trait d'ascension, mais c'est un peu pour le fun, quoi, hein, pour le fun du truc. Ça déséquilibre pas trop le jeu. Bon voilà, moi je trouve pas que ça fait une différence tant que ça. Après vous voyez, vous pouvez le désactiver si ça vous va pas. Moi là je serais tenté de mettre aucun handicap, vous êtes déjà en brutal, donc mettez aucun handicap, voilà, même le handicap mineur c'est quand même très très léger, c'est 15% de dégâts et de infligés et reçus, etc. Je trouve que ça change pas grand chose et ça vous rend moins, comment dirais-je, ça rend moins illégitime la battle qu'il y a déjà, et en brutal c'est déjà très très cheaté puisqu'ils ont déjà des ressources d'avance. Donc voilà, partez sur aucun handicap, ça va très bien. Là, bah, c'est forcément déjà... Il y a très difficile de base, en brutal. Hein. Ok. Ensuite, flux de la partie. Il n'y a pas trop de choses à retoucher. Enlever peut-être, désactiver le score. Bon, normalement, vous finissez avant 150 tours. De même, on pourrait très bien retarder ça. On pourrait mettre lent. Et ça ferait... je sais même plus, ça rapide 100 tours, 150, 200 tours, voilà. Mais même en normal, comme c'est de base, 150 tours, normalement, vous avez fini largement. Avec 6 joueurs, vous avez largement fini. Mais de base, je préfère quand même toujours le désactiver, parce que je trouve que le score est souvent... Voilà, c'est pas très intéressant. Il reste 3 autres victoires que vous pouvez laisser actives, il n'y a pas de souci. Et les résurgences héros, de toute façon, c'est pas très très important. Vous pouvez mettre toujours ou combat auto uniquement, c'est pareil, c'est pas très très important. Et puis le reste, tout ça, vous pouvez laisser ok. Voilà. Effectivement, ensuite vous avez donc là où ça commence à nous intéresser, c'est-à-dire que on a donc les gens qu'on peut prendre. Nous, on va faire créer une faction, et c'est là où un peu on va commencer à donner un peu des éléments. Au niveau des traits, je vais essayer d'être très rapide. Donc, vous avez, selon moi, je vais essayer d'être assez concis, hein, avec ce truc-là. Vous avez toutes les adaptations. Pour moi, c'est très très secondaire. Alors évidemment, si vous avez une map spécifique avec des ressources très très faibles, ou que vous avez une adaptation, vous avez que du désert par exemple, etc. Oui, peut-être. Vous avez très peu de villes, libres, etc. Pourquoi pas? Mais de base, je trouve que c'est vraiment assez bas. Moi, je mettrais ça vraiment dans le bas du classement, ces adaptations-là. Flexible, 20% d'expérience. C'est pas mal, mais là, ça va dépendre vraiment si vous rushez au début pour par exemple, les 20 premiers tours. Ce qui est souvent le cas, par exemple, sur des battles un peu internet, etc. Entre vrais joueurs. Ça peut être intéressant. Ça peut être un petit peu plus intéressant. Si dès que vous êtes un peu avec face à l'IA, moi, je vous recommande d'oublier ça. C'est pas très intéressant. L'XP, vous pouvez le prendre naturellement sur la map. Et 20%, c'est pas si important que ça. Avant, il était un peu plus haut. Ça pouvait se défendre. Là, 20%, je sais pas. Je suis pas convaincu. La perte de morale est réduite de 50%. C'est pas mal, mais pour moi, c'est trop situationnel. Normalement, votre perte de morale, le plus grand élément qui est important là-dedans, c'est de ne pas perdre de troupes. Voilà. Si vous perdez pas de troupes, vous n'aurez pas de grosses pertes de morale parmi toutes vos troupes. Donc de base, en fait, on va miser sur le fait que vous êtes bon, en fait, hein, et que vous allez être efficace. Donc pour moi, c'est niet. Insaisissable, 4 de défense contre riposte et attaque opportuniste. Pour moi, ça, c'est pas mal. Je le mettrais quand même en mid-tier, quand même. Maintenant, le problème que j'ai avec ça, c'est que... comment dirais-je? Je pense que si vous jouez, par exemple, les cavaliers qui désactivent les ripostes, déjà, pas très intéressant. Et puis, les attaques opportunistes, c'est vraiment si vous essayez de vous excentrer d'une unité. Donc, c'est pas non plus vraiment très très fort. Mettre des montures. Alors là, ils ont rajouté ça récemment, là, mettre des montures, c'est vous devenez une cavalerie. Mais en fait, le problème de ça, c'est que
ça en fait trop et pas assez à la fois. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une monture, mais si vous n'avez pas d'effet par rapport à toutes les autres montures là, qui sont exceptionnelles à 3 points, je vois pas trop l'intérêt, perso. Donc voilà, oubliez ça, je pense. Voilà, évidemment, là, je suis obligé de mettre ça en estière, robuste. Donc estière, robuste, tout simplement, parce que c'est un petit... voilà, 1 point, 8 PV, c'est pour toutes vos troupes, c'est exceptionnel. Voilà, celui-là, il est exceptionnel, vous pouvez toujours le prendre. C'est toujours un petit finisseur. Alors, vous avez évidemment la contrepartie qui est que quand vous prenez, par exemple, je sais pas moi, monture éléphant, vous avez 15 PV, bon, c'est peut-être plus forcément une obligation. Et vous allez prendre un deuxième à 2 points. Mais franchement, pour tout autre cas, il est exceptionnel. Le robuste est exceptionnel. Œil perçant. Alors, œil perçant, ça, pour moi, c'est vraiment dans le bas du classement. C'est vraiment pas essentiel. Portée de vision, portée de détection, normalement, vous n'êtes pas censé en avoir besoin. Cacophonie incessante. Donc, là, c'est les ennemis à proximité. Je me souviens plus exactement à quelle portée c'est, mais je crois que c'est une case, quoi. Donc, c'est, en gros, c'est en mêlée, quoi. En mêlée, avoir 15% de cafouillage, c'est correct, hein, c'est très correct. Maintenant, je trouve pas que pour 2 points, ça soit si insane que ça. Compte tenu du fait que c'est que en mêlée. Ce serait, je sais pas, sur 3, 4 cases, par exemple. Là, on commencerait à discuter. On commencerait vraiment, vraiment à discuter. Maintenant, là, je trouve que c'est un petit peu limité. Concentration arcane. Bah, alors là, c'est vraiment pour les attaques de magie. C'est-à-dire que moi, je peux vous le recommander, ça. C'est un très bon. Mais, alors, c'est pas S hein, non plus. C'est, je dirais, c'est mid-tier. Mais c'est très bon si vous avez si vous allez focaliser sur de la magie, quoi. C'est-à-dire que vous faites 6 de vos troupes qui sont en magie. Voilà, parce que moi, ça m'intéressait. Hein. J'avais des builds référents à ça. Là, vous pouvez commencer à faire des choses très intéressantes avec ça. C'est pas non plus dingue, hein, c'est que 15%. Vous verrez que souvent, oui, ça va être... Vous sentirez un petit peu la différence, mais c'est pas non plus... ça va pas changer le monde, hein, voilà. Ce qui va changer le monde, par contre, c'est Coriace. Alors là, c'est, évidemment, c'est exceptionnel. C'est, pour moi, peut-être en S. Tout simplement, toutes vos troupes ont plus 2 en défense. Donc c'est vraiment très fort. Compte tenu du fait que souvent, vous allez jouer avec des T1, des T2 et des T3, principalement... T4 et T5, vous commencerez à voir moins la différence, hein, ce qui est un diminishing return sur la défense. Hein. Ça, c'est de moins en moins efficient plus vous en avez. Donc, moi, je serais d'avis de vous dire que c'est quand même très très fort. C'est très très fort. Et en parlant de fort, vous avez le truc suivant, qui est le plus 2 en dégâts physiques. Et là, très sincèrement, je me demande. Franchement, je me demande parce que je vous dirais bien que c'est fort, ça, c'est comme le nom l'indique. Mais je vous dirais juste que c'est ok, ça. C'est pas mal, mais sur pas mal de situations, ça va pas être suffisant, surtout que ça ne scale pas en fonction. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que vous devrez faire pour des gens qui seraient en mêlée ou physique à distance, mais qui ont des attaques répétées. Parce que sinon, ça va être quand même un petit peu léger. Pour moi, c'est pas mal, mais c'est pas non plus dingue. Féroce, donc 40% avec des dégâts de riposte et opportuniste. Pour moi, c'est situationnel, donc c'est pour moi, ça les vaut pas. Ça vaut pas 2 points, il y a beaucoup mieux que ça. Enfin, ça peut paraître énorme, hein, 40%, on se dit what the fuck et tout, mais vraiment, vous avez, je pense, bien mieux que ça. Herbivore, donc capacité de consommer donc une flore qui vous régène de 20 PV, en fait. Hein. Et plus un effet aléatoire. Alors ça, c'est vraiment pas mal, quand même. Je le mettrais plutôt dans le haut du tableau, même si je pense que c'est pas non plus S-tier, hein, faut pas déconner. Mais, après, c'est que des points temporaires. Hein. Faut bien comprendre, des PV temporaires. Donc ça veut dire qu'en gros, au cours du combat, vous pouvez le faire une fois gratuitement, hein, voilà, il n'y a pas d'action. Un effet aléatoire, donc vous voyez aussi le côté aléatoire de la chose. Le côté temporaire de la chose. Je suis pas non plus très fan de ça. Après, je reconnais que c'est quand même plutôt dans le haut du panier. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pieds ailés. Donc les unités alliées ne bloquent pas le mouvement. Alors, ça, j'ai essayé pas mal de l'utiliser, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois,
C'est sans doute bien si vous faites un focus sur des unités à pied qui attaquent au corps à corps. Ça peut s'entendre. Maintenant, je trouve que, je sais pas, ça les vaut. Il y a tellement de trucs mieux avant que, vous voyez, je préfère largement avoir Corias avec plus de défense que, voilà, ça vous devez vous placer bien de base en fait, hein, pour les. Je sais même plus, je l'ai perdu celui-là, il était où il était où. Voilà. Voilà, celui, vous devez bien vous placer de base. C'est pas normal que vous ayez trop un bloc uniforme et qu'il y ait trop de gens derrière qui doivent contourner sur les côtés, etc. Parce que oui, effectivement, c'est un problème des fois. Et puis d'ailleurs, au passage, c'est peut-être pas totalement normal d'avoir que des gens de corps à corps aussi. Donc si vous, d'aventure, vous voulez vraiment faire un mob, parce que ça peut exister, ça peut être intéressant, hein, d'avoir que du corps à corps, parce que les buffs, parce que etc. Donc dans ce cas-là, ça peut être ok, mais bon. Moi, je pense que ça, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Mais effectivement, ça vous permet de franchir, hein, quand même les unités. Sachant que vous avez d'autres options. Hein. Vous pouvez, par exemple, aller sur des buffs de transformation majeure qui vous mettent des ailes, hein, qui permettent de voler aussi. Donc voilà, c'est quand vous avez ça, c'est beaucoup moins intéressant. Hein. Donc, je suis pas très fan. Regard perçant, ça, je l'ai beaucoup utilisé quand j'utilisais des unités à distance, de mages notamment. Donc finalement, si vous êtes dans cette catégorie-là, directement, ça peut vous intéresser. Ça peut aussi être intéressant sur même d'autres types d'unités, genre archers ou des gens one-shot, même si c'est moins intéressant les one-shot, parce que souvent, ils vont pouvoir se positionner au plus loin de leur portée de mouvement, donc vous en aurez moins besoin quand même. C'est très utile pour ceux qui ne se déplacent pas, mais qui veulent tirer au maximum de leur portée. Souvent ceux qui répliquent avec trois coups et qui veulent pas trop se déplacer pour pas trop perdre ce DPS, hein, justement. Donc je pense notamment soit aux archers, soit aux mages, par exemple T3, soit des élevés, soit comment ils s'appellent, ceux qui jouent avec la, qui ont été d'ailleurs boostés dans le dernier patch. Je vais perdre le truc, attendez, on va juste le sélectionner. Ah non, mon papa, pardon. J'ai paumé le nom, mais on les verra après. De toute façon, on les verra après, donc il n'y aura pas de soucis. Je vous redonnerai le nom exact du truc. Mais si vous voyez, c'est celui qui a l'attaque de zone, hein, en T3. Donc voilà, on n'a pas 35 000. Et qui fait, d'ailleurs, qui fait double dégâts sur les invocations. Et qui, par ailleurs, débuff tous les buffs actuels. Donc c'est très très fort, d'ailleurs. C'est, je trouve, un des mages plus forts. Et dans ce contexte-là, effectivement, ça peut être plutôt intéressant. Rempart. Rempart, c'est donc quand vous êtes donc en mode défensif, vous prenez plus 2 de défense et de résistance. C'est très bien, ça commence à être dans le haut du panier. Maintenant, pour moi, perso, je préfère largement avoir plus de défense tout le temps. C'est encore le mieux. Parce que vous prendrez quand même des dégâts beaucoup moins, évidemment. Mais vous prendrez quand même des dégâts et autant avoir la chose même sans être en mode défensif. Je rappelle, le mode défensif, c'est ce que vous mettez quand vous ne faites pas d'action. Donc vous voyez que c'est quand même limité. C'est peut-être limité au premier tour où vous êtes au contact de l'ennemi ou assez proche. Vous voyez. Après ça, vous allez attaquer. Donc, sauf s'il y a quelques cas peut-être, hein, effectivement. Sauf des cas où vous rentreriez immédiatement en mode défensif. Bon, ça peut exister, mais globalement, voilà, je dirais que c'est quand même, c'est pas, pour moi, je pense que c'est quand même inférieur à d'autres options, notamment défensives. Renforcement magique, c'est vite fait, moi je trouve que c'est vraiment pas top. Vous allez renforcer, en gros, dès que vous prenez des dégâts qui sont non physiques, ça peut être pas mal, mais il y a beaucoup dans ce jeu de moyens d'avoir renforcé sans ça, en fait. Donc je suis un petit peu sceptique, ça sera très très situationnel si vous le prenez, donc voilà. Récupération rapide, ça peut être pas mal si vous êtes très intensif en début de jeu. C'est-à-dire que si vous êtes contre une IA et que vous faites 150 tours, ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Vous aurez d'autres moyens de stall, voilà, de vous revenir dans votre base, régénérer, etc., repartir. Vous voyez, donc, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment bien pour ceux qui veulent faire des coups, c'est-à-dire qui veulent vraiment rusher sur la base ennemie. Alors, attention, hein,
ce n'est, je crois, actif que si vous êtes en dehors de la base ennemie. Donc c'est très particulier, c'est-à-dire vous régénérez 10 PV en dehors de la base, voilà, juste vous mettez une case plus loin que la base ennemie, ça peut être intéressant, et vous le rushez derrière, et vous gagnez 10 PV de plus que lui, ce qui est quand même intéressant. Après, il ne faut pas avoir trop perdu de troupes de toute façon, mais c'est pas mal. Donc, je dirais c'est mid-tier, c'est à peu près. Réflexe, 25% plus difficile à toucher avec des attaques à distance, ça peut être très pète-couille. C'est pas non plus S-tier, mais je le mettrai quand même dans le haut du panier. Quand vous l'avez face à vous et que vous avez des archers, c'est infernal, parce que vous faites très très peu de dégâts, ça devient pénible. Vous le voyez avec les héros notamment, quand ils stackent tout un tas de trucs pour les attaques à distance, vous n'arrivez plus du tout à leur faire de dégâts, c'est infernal. Ça peut être pénible. Après, le problème, si vous voulez, c'est que dès que vous avez des gens au corps à corps, vous n'avez plus de bonus. En fait, ça n'existe plus. Voilà. Donc, c'est problématique quand même. Hein. C'est très spécifique. C'est que 25% aussi, c'est pas un peu 60. Hein. 25%, même à distance, au bout d'un moment, ça prenait des dégâts quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est pas non plus. C'est ni fort contre les mêlées et pas non plus dingue contre à distance. Voilà. Ça vient se rajouter. C'est pas mal, mais voilà. Je dirais pas non plus que c'est insane, je dirais que c'est mid-tier. Résistance est top tier, ça c'est top tier. C'est même, je crois, peut-être même un petit peu supérieur à la défense plus 2. Tout simplement parce que, avant d'arriver au corps à corps, souvent, vous allez avoir les gens qui vont vous attaquer avec de la magie ou des trucs à deux balles. Même les mages, même les archers. Hein. Les archers, c'est quoi en fait? Les archers, c'est des gens souvent qui vont buffer via des dégâts qui vont enlever un petit peu de leurs dégâts physiques pour mettre un petit peu plus de plus en plus de dégâts un peu magiques quoi. Donc tout ça est très intéressant, donc ça veut dire que la résistance, c'est pour moi c'est peut-être même un des meilleurs sur la liste, donc c'est S-tier sans aucun problème. Sournois, alors pour moi, je vais parler pour moi parce que je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je considère que sournois, pour moi, dans certaines situations, c'est pas S-tier, mais c'est A-tier. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est quasiment au top. Ce serait peut-être même le premier du A-tier pour moi. Bien utilisé, vous avez 25% de dégâts en plus sur le débordement. J'explique. Vous avez par exemple des gens qui se sont approchés. Quelqu'un qui, par exemple, la magie, comme on disait juste avant, qui vous a fait des dégâts de magie, etc. Il arrive, donc il s'est ouvert, il s'est dégardé hein, quelque part. Il n'est plus en mode défensif. Et vous avez donc tout à coup une option pour certains, c'est pour ça que je dis c'est spécifique. Si par exemple vous avez les gens, comment ils s'appellent, les écoutez, je pense qu'on va juste parce que pour expliquer, sinon je vais jamais y arriver. Je vais créer une faction vite fait en fait. Voilà pour les avoir parce que j'avais plus le nom. Voilà, donc tout à l'heure je vous disais, je vous parlais, c'était des mystiques. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de ceux qui avaient la meilleure unité T3 de mage, c'est les mystiques. Et là, ce que je voulais vous dire juste à l'instant, c'est les ravageurs. Voilà, les ravageurs qui ont une unité T3 pour le coup, qui est, pour moi, c'est la meilleure unité du jeu, sans aucun problème. D'ailleurs, on la voit un petit peu peut-être derrière, non, je crois que c'est celle-ci, hein, avec le cavalier. Donc, c'est une unité montée, qui a 48 de mouvement, qui peut faire du hit and run. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fini, un peu comme dans les Fire Emblem, Kanto, je reviens en arrière 3 cases. C'est aussi une unité qui peut, donc qui fait un one shot, c'est-à-dire qui tire une fois, et qui divise par deux la défense et la résistance ennemie. Et c'est quelqu'un, enfin, qui attaque avec cette même attaque, hein. Donc c'est un one shot, mais c'est un one shot avec un seul point d'action disponible pour le faire. Donc c'est exceptionnel, vous allez au bout de votre mouvement et vous pouvez le faire. Dit autrement, vous glissez derrière le dos de l'ennemi, vous tirez à distance, à deux cases, avec le flingue. Attaque de débordement. Donc, attaque avec 25% de dégâts. Pour moi, ça, pour l'avoir un peu pratiqué, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. C'est pas non plus lunaire. Peut-être par exemple dans les S, je mettrais peut-être pas ça avant le plus de défense ou plus de résistance. Parce que là, c'est universel. Le plus de défense, etc. Tu peux pas tester. Tu vois, tu peux pas tester. Par contre, soyons clairs, bien utilisé, ça vous donne littéralement plus 25% de dégâts. D'autant plus que là, on parle de quelque chose en plus qui divise par deux les défenses et résistances. Donc pour moi, c'est même démultiplié. Voyez, qui en plus fait déjà de gros dégâts. Et avec tous les buffs qu'il y a dans le jeu, c'est monstrueux quoi. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Donc pour moi, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord.
Tenace, les pénalités de dégâts des victimes sont réduites de moitié. Alors là, je pose la question. Admettons, pour moi, ça c'est dans le bas du tableau. Admettons, situation numéro 1, je suis une unité qui est mono-unité. Donc la mono-unité, c'est une unité, donc elle ne perd jamais de pénalité de dégâts dans ce cas. Alors généralement, c'est un contrebalancement avec le fait que c'est une unité large. Voilà. Premier cas. Deuxième cas, des joueurs qui jouent exceptionnellement bien, qui ne perdent quasiment pas de PV. Je n'ai pas de pénalité de dégâts de victime. Donc du coup, je m'en fous de ça, en fait, vous voyez. Et j'ai utilisé 2 points pour ça. Pas top, pas top. Toxique. Vous avez donc plus 2 de résistance au fléau. Les attaques de mêlée ont 60% de chance d'être empoisonnées. Bof, bof, bof. C'est pas que c'est nul, mais c'est quand même dans le bas du tableau pour moi. C'est pas assez... c'est trop situationnel pour vraiment... Tactique de débordement, 20% de chance de critique à côté d'unité alliée avec tactique de débordement. C'est trop situationnel, c'est pas mal, je dirais dans le mid-tier, mais c'est trop situationnel. Donc pour moi, je dirais vraiment que ouais, c'est mid-tier. C'est pas que c'est nul, hein, si vous arrivez à être tous regroupés à chaque fois, bon voilà. Mais et puis 20% de chance de coup critique, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce jeu, notamment pour les mêlées. Ce serait peut-être un peu mieux pour les légions à distance qui ont moins accès à ça, aux chances de critique, mais pour les autres, pour les mêlées, vous pouvez avoir 100% de chance de critique sans ça, je crois même. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment pas ouf au final. Tactique défensive, donc plus 1 défense, résistance, évasion à côté d'unité qui a la même chose. Alors, c'est un petit peu de tout et un petit peu de rien, voilà. Alors, je passe sur le fait que ce n'est actif que quand vous avez un allié à côté. Déjà, c'est quand même spécifique, mais en fait, vous avez un petit peu de tout, un petit peu de rien. Ça va pas vraiment compter à la fin. Je suis pas très très fan de ce truc-là. 10% d'évasion, j'en parle même pas, c'est ridicule. Ça fait quasiment aucune différence, voilà. C'est pas ouf. Tactique de meute, alors ça, c'est plutôt pas mal, je crois. C'est du 20% de dégâts. Non, voilà, 10% de dégâts par unité alliée adjacente à la cible. Donc si vous attaquez beaucoup avec les corps à corps, vous voyez qu'il y en a un peu partout autour de la cible ennemie, ça commence à être pas mal. Hein. Parce que par exemple, vous pouvez être facilement entouré, je dirais, déjà d'une personne, de deux possiblement. Ça fait 10-20% de dégâts. Plus, je pense que c'est un peu moins probable, mais ouais, de 10 à 20, ça, c'est probable. Donc c'est correct. Je dirais que c'est mid-tier, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. 32 de déplacement. Alors là, si oui, je suis un petit peu ennuyé, parce que je pense quand même que c'est plutôt dans le haut du tableau, donc plutôt à tiers, par là. Mais c'est spécifique. C'est-à-dire que ça, c'est des trucs de gens, déjà, qui ne se spécifient pas. Non, pardon, qui se spécialisent pas, voilà, ça sera plus français. Sur... des gens à 48 de mouvement. Parce que si moi j'utilise par exemple mes amis les ravageurs, dont on a parlé tout à l'heure, avec le fameux mec qui a 48 de mouvement, ça ne sert strictement à rien. Si je veux me spécialiser, j'ai que ça dans mes équipes, voilà, j'en ai 5, etc. Voilà. Ça sert à rien. Parce que ça sera... Nous on a déjà 48. Si aussi par exemple je suis sur une transformation de race majeure, qui me met déjà 40. Ça existe aussi, avec l'extension, ils ont sorti un nouveau truc où il y avait ça, justement. Vous êtes flottant, plus avec carnement, ça sert à rien. Donc, en vrai, de base, 3 points quand même, hein, je trouve ça un peu cher. De base, c'est très bien, hein, parce que ça augmente un petit peu sur la carte mondiale, voilà. Je trouve pas non plus que ce soit dingue, c'est pas mal. Moi, pour moi, c'est plutôt mid-tier. Hein. Je sais que beaucoup l'aiment, ils le mettent très très haut. Alors peut-être c'est sur internet, vous savez, quand les gens s'affrontent. Mais contre l'IA, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas mal, c'est mid-tier. Voilà. Je dirais pas que c'est nul, hein, mais c'est... En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est surtout que c'est à 3 points. Et ça vous enlève beaucoup d'autres options. Puisque face à 3 points, vous avez que 5 points. Hein. Donc face à 3 points, vous avez plus que 2 points ensuite. Voilà. Donc bon. Immonde fumée. Alors, celui-là, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Donc, pour moi, c'est plutôt dans du à tiers. Par contre, on va se mettre d'accord tout de suite. Pour que ce soit efficace, il faut vraiment être au corps à corps. Parce que si vous avez beaucoup de gens à distance, ça ne sert strictement à rien, puisque c'est effectivement à une case de distance. Résistance d'état, résistance. Non, c'est quand même très fort. Et alors, préférentiellement, pour des gens en endgame notamment. Bon, alors vous me direz, en endgame, vous
vous détruisez tout. Donc ça, c'est pour ça que c'est quand même pas Estir ce truc, hein, parce que ça vend beaucoup de rêves d'un coup. Mais n'oubliez pas que ça enlève de la résistance, et que de base, des gens au corps à corps, souvent, c'est des physiques. Donc des gens physiques, ils vont taper physique, et quelque chose qui sera... voilà. Donc soit vous mettez des leurres devant, et derrière, vous avez des mages qui en profitent. Mais sinon, vous voyez, c'est ça qu'il faut jouer. Donc en fait, pour que ça soit fonctionnel, il faut qu'il y ait des gens qui... faut avoir beaucoup de buffs, d'enchantements magiques. Donc avec plus 4 en feu, moins 2 en physique, etc. Vous connaissez tout ça. Hein. En lieu et base des mêlées. Et là, ça commence à être intéressant. Donc en mid-game et en end-game, c'est monstrueux. Après, le problème que j'ai quand même avec ça, c'est que en mid et en end-game surtout, bah vous dévastez déjà le jeu, en fait. Donc, ça a l'air très fort. Il y a la résistance d'état, vous me direz quand même. Ça a l'air très fort, mais quand même. Vous voyez. Et puis, je me rappelle quand même que la résistance d'état, les gens de corps à corps ont pas trop de trucs comme ça. C'est plutôt les gens à distance, les mages et les archers. Donc, en fait, il faut vraiment bien travailler autour de ça pour les mettre sur des corps à corps qui sont devant. Et derrière, pour des gens qui peuvent en profiter. Donc, des teams quand même plutôt équilibrés. Moi, je dirais du 4-2 ou voire du 3-3, quoi. Hein, voilà. Donc, il faut bien y réfléchir, quand même, ça. Résilient. Donc là, vous avez donc des résistances d'état et les effets d'état négatifs qui durent moins un tour. On s'en fout, puisque la plupart des trucs dangereux durent de toute façon qu'un tour. Donc, avec un minimum de un tour, mais oui, mais voilà. Si vous êtes stun pendant un tour. Donc, bon, on s'en fout un petit peu. Et puis, la résistance d'état, oui, mais il y a d'autres façons de la booster dans le jeu, facilement. Je trouve que c'est quand même moyen. Pour moi, c'est dans le bas du tableau. Et après, nous arrivons aux montures. Alors là, je vais tout faire d'un coup, hein, parce qu'on va pas rigoler 10 ans. Globalement, avoir des montures, pour moi, c'est très fort. Hein. Ça vous rajoute vraiment des choses intéressantes. La monture aigle, je la mettrais vraiment quand même assez haut, peut-être en A tier. C'est pas non plus dingue, hein. Peut-être dans le bas du A tier, mais quand même. Pourquoi ? Parce que ça fait que vous devenez volant. Donc ça veut dire pour 3 points quand même, mais je trouve que ça le vaut, franchement ça peut vraiment être intéressant. Pour ce qu'on expliquait notamment tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez pas être coincé, alors vous n'aurez pas 42 mouvements là, vous aurez que, par exemple si c'est des unités qui peuvent être transformées, mais avec une cavalerie, parce que c'est ça qui est dans le jeu, hein, c'est que il y a certaines unités qui sont à pied de base, mais qui ont une option de switch si vous prenez ce truc là. Donc là, par exemple, ça vous fait que vous êtes volant. Vous n'aurez pas 40 de mouvement, mais vous aurez potentiellement quand même de quoi... C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, vous aviez les pieds ailés. Alors c'est vrai que ça vaut que 2 points, mais en fait, moi, je préfère largement avoir une monture aigle, en fait, hein. Franchement. Hein. Donc, je trouve que ça vous apporte quand même beaucoup plus d'avantages. En plus de transformer en cavalerie, ça vous fait quand même... des choses. Puis alors, on n'en parle pas, mais être une cavalerie débloque tous les bonus liés aux cavaleries, qu'il y a notamment dans les tomes de la nature, etc. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Je vais essayer de la faire courte ensuite. L'aptitude toile, ça peut être très fort early. Early, c'est excellent. Vous envoyez un truc qui a une portée d'un cône de 2 cases. Qui immobilise. Donc si par exemple vous avez des corps à corps, boum, ils peuvent plus bouger. Et ils ne peuvent plus attaquer. Donc early, c'est énorme. Plus tard, c'est un petit peu plus faible. Je trouve que ça marche moins bien. Donc voilà, ça va un petit peu diminuer en intérêt. Les cauchemardesques, ça peut être très fort. Pour moi, c'est STR. C'est pas au début du STR, mais vous pouvez le mettre quand même vers la fin du STR. Tout simplement parce que vous avez principalement le tueur-four. C'est une dinguerie totale. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez quand même le luxe, hein, faut avoir le luxe d'avoir quand même des gens assez proches. Alors, le minimum, je dirais, c'est d'avoir déjà des gens qui sont, par exemple, comme chez les Ravageurs, avec le mec à 48 de mouvement, qui va au plus proche. Parce que c'est dans les 3 cases autour de vous-même. C'est-à-dire autour de vous, l'unité qui tue. Donc si vous êtes au corps à corps, ça va. Si vous commencez à être à 2 cases, bah, tous les ennemis qui auraient dû être touchés par cet effet seront moins touchés. Vous voyez. Donc c'est quand même mieux pour les corps à corps. C'est pour ça que je ne le mets pas au début du STR, mais c'est complètement dingue. Alors on explique peut-être pourquoi. Parce que quand les gens sont démoralisés, bah, ils fuient le combat en fait. Voilà, donc, c'est bien, non mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que vous avez des unités qui ont été touchées,
Si vous focalisez par exemple sur certaines unités et d'autres vous les laissez avoir cet effet-là, intelligemment, il y a une, deux unités ennemies qui peuvent décamper carrément. Voilà, donc c'est le mec joue avec moins deux unités, quoi. Vous voyez, c'est une dinguerie totale. Donc ça peut être un fiasco, c'est vraiment très fort, bien utilisé ça, très 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 fort. Licorne téléportation, alors qui a été nerfé un petit peu, donc pour moi ça c'est devenu mid-tier, ça aurait été beaucoup plus haut avant, hein, effectivement. Parce que la phase ne laisse plus que effectivement un seul point, mais c'est plus si ouf que ça, hein, effectivement. Lupine blanche, ça c'est dans le bas du classement. Le mammouth, très très fort. Pour moi, le mammouth c'est exceptionnel. Vous devenez une grande cible. Donc ça veut dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous devenez une grande cible, c'est-à-dire qu'en ayant ça, ça réduit de 1 le niveau de formation. Alors ça vous met pas quand même une seule unité, mais ça vous met un seuil de niveau de formation avec moins d'unités. Alors qu'est-ce que c'est l'avantage ? Vous êtes 2, c'est à partir de 50% de PV que vous commencez à décoter en termes de dégâts que vous faites en moins, etc. Parce que c'est ça en fait, l'effet. Et plus vous êtes nombreux, si vous êtes, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, si vous êtes 5-6, à partir de 80, vous avez une décote. 60, etc. Vous voyez, à chaque fois que vous perdez une unité dans la formation, en fait. Jusqu'au point où vous pouvez être une seule unité, et dans ce cas-là, vous ne décotez jamais. Vous ne décotez jamais, et ça peut arriver, hein, il y a quelques façons de faire pour ça. Et donc ça participe déjà à ça. Donc c'est un point dans ce truc-là. Par exemple, si vous avez un T3, il vous en faut plus qu'un deuxième, je crois, pour être avec une seule unité dans la formation. Donc ça, en gros, si vous êtes 3, vous avez 2 dans la formation. Et si vous en rajoutez encore, vous pouvez être un seul dans la formation et donc plus jamais décoté en termes de dégâts. C'est énorme, hein, parce que vous êtes à 2 PV, par exemple, vous continuez à faire les mêmes dégâts, alors que quand d'autres seront à vraiment infinitésimal, vraiment avec des dégâts de merde complets. Donc c'est très fort. En plus de ça, vous avez 10 PV. En plus de ça, vous avez une petite résistance au gel qui commence à être à plus 4, c'est quand même pas rien. Et puis, accessoirement, vous avez le Juggernaut qui détruit les obstacles sur le passage. C'est, pour moi, c'est S-tier. C'est une des meilleures. Avec, vous pouvez mettre la monture Garou S-tier aussi. Donc là, vous avez des gens, vous êtes au début du combat. Des gens s'approchent de vous en mode bouclier, hein, au début ils n'ont pas attaqué. Vous pouvez déjà les attaquer avec écrasement, et sur les ça fait 40% de dégâts en plus. Mage inclus. Donc avec le top du top, c'est les cavaliers et les mages. Hein, comme ça vous pouvez attaquer à distance ou faire un rush avec les cavaliers, notamment corps à corps, pour les défoncer. Très 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 fort ça. Très 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 fort. Pour moi c'est S-tier, il n'y a pas de problème sur ça. Le Raptor, pour moi, c'est pas mal. Vous avez quand même le déplacement rapide. Donc, si vous voulez, si vous avez des cavaliers qui, de base, n'auraient pas eu des trucs ouf, ça peut être pas mal. Je le mettrais en A-tier. Voilà, c'est quand même pas mal. Vous pouvez vous écarter aussi. Donc, ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Alors, il y a d'autres moyens dans le jeu de pas la. Voilà. Mais pour les unités de base, c'est pas mal. Hein. Alors moi je vous dis très sincèrement que moi je suis assez fan des ravageurs et notamment de l'unité dont je vous parlais à 48 de mouvement là tout à l'heure, bah il l'a déjà ça. Donc si vous êtes dans ce cadre là, bah c'est pas très intéressant pour ce cadre là précis. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas de doublon quand même. Hein. Avec le Raptor, vous pouvez souvent être un petit peu avec des choses qui existent déjà. Thanatopter, donc ça c'est, je dirais, c'est dans mid-tier, c'est pas nul mais c'est pas ouf non plus. Et monture éléphant, qui pour moi est S-tier aussi, pour la même raison que non seulement vous avez 15 PV en plus, ça commence à être pas mal, hein. Imaginez quand même des T1 par exemple, qui ont plus 15 de PV. Ça commence à être très très correct. Alors attention quand même, il y a toujours ce petit truc de se dire, on est une grande cible, donc on est 20% plus facile à toucher. Mais pour moi ça les vaut, hein. Très sincèrement ça les vaut. 20% c'est pas non plus encore dinguerie finale quoi, voilà. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour avec ça. Je pense qu'il y aura peut-être plusieurs vidéos, c'est possible, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Moi, aujourd'hui, je voulais parler des tomes, et je me rends compte qu'avec tout ce que j'ai dit là, déjà, c'est déjà 39 minutes. Hein, donc ça défile. Donc voilà, je vous ai à peu près donné mon avis. Alors moi, je vais prendre ce que je prends habituellement, juste pour rigoler un petit peu. Donc Sournois,
Là, j'aimerais bien vous montrer, par exemple, le regard perçant et le robuste. Voilà, ça, par exemple, pour l'unité dont je parlais avant, le 48 de mouvement, et ça peut être pas mal. En gros, vous avez 8 PV en plus, vous êtes précis. Alors, on se dit pourquoi c'est nécessaire à ce point. Bah, comme ça, vous pouvez vraiment rester à 3 cases et pas faire le seuil à 2 cases, puisque c'est par tranche de 2 cases que vous perdez en précision à mesure que vous reculez. Hein, c'est un peu ça. Sachant que je parle bien que là, de toute façon, il n'a que 3 de portée maximum. Mais si je fais l'amélio pour qu'il ait le quatrième, il a 4 de portée. Donc ça peut être intéressant. Et donc je renforce comme ça sa précision, et c'est plutôt pas mal. Le sournois pour les dégâts, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, attaque par derrière, débordement, boum. Et le robuste, le classique de classique. Quand vous n'avez pas de monture, parce que j'ai beaucoup mis de monture en S, hein, effectivement, si vous n'avez pas ça, vous prenez évidemment celui-là. Voilà, je passe vite. On fait les cultures aujourd'hui, après on s'arrêtera là. Donc, féodal. Parce que j'avais déjà peut-être donné mon avis rapidement sur la review, mais je vais le refaire avec peut-être un peu plus de détails. Et surtout qu'il y a eu une mise à jour avec les mystiques. Hein. Donc je vais vous dire, c'est mon avis. Donc les féodaux... Alors, faut savoir que les féodaux, pour moi, c'est très intéressant. Notamment avec le tous ensemble. En gros, c'est quand vous êtes à côté l'un de l'autre et que vous prenez en gros 20% de dégâts supplémentaires. Rien n'empêche ça, rien. Rien ne le contre, rien. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. C'est la plus grosse force des féodaux, pour moi. Vous avez aussi quelques bonus à la marge qui sont quand même moyens, globalement. Vous pouvez être... En fait, ça c'est dans... chez les héros, vous prenez un perk spécial qui n'y a que pour eux, que pour les féodaux. Et voilà. Le truc, c'est que ça, c'est quand même très très limité. C'est en gros des bonus de culture, de savoir, de magie. Vous savez, un peu les trucs de production, quoi, de base. C'est pas nul, hein, c'est pas nul, mais c'est pas ouf. Le tous ensemble est le truc qui est vraiment le plus marquant. Et c'est notoirement fort quand vous avez des grosses valeurs. Je pense notamment aux invocations qui s'appellent les gardiens, qui ont une attaque à distance effectivement, parce que généralement les invocations sont pas sujets aux transformations de la race. Je ne vous ai pas insulté, hein, mais la race, c'est effectivement les transformations de race, c'est tout ce qui a trait aux unités de la race. Vous voyez ce que je veux dire? Les invocations ne font pas partie de tout ça. Elles ont d'autres trucs un petit peu personnels, mais elles n'ont pas les éléments de la race. Et donc ça veut dire que souvent vous pouvez pas trop booster ces unités là, mais. Tout ce qui a attrait aux cultures peut être appliqué de façon spéciale à toutes les unités, en fait. Et notamment ce plus 20% de dégâts. Et donc quand vous avez les gardiens, donc c'est une unité que vous pouvez invoquer, eh bien, il a un pouvoir qui est un one-shot, qui peut paralyser les ennemis, les stun. Et les dégâts de foudre sont pas dégueulasses non plus. Et vous pouvez booster de 20% avec ça. Et c'est un des meilleurs résultats que vous puissiez avoir, parce que c'est vraiment, ça fait très très mal. Donc, il y a quelques usages. Pour être tout à fait honnête, c'est pas ma culture préférée, hein. Très sincèrement. Je l'utilise rarement, mais voilà. Les élevés. Alors, les élevés, bien sûr, il faut tout de suite parler de ce que c'était au début et ce que ça n'est plus. Pour moi, il y a des trucs qui sont un petit peu pète-couille avec la stratégie d'alignement, si vous voulez. Il faut quand même se dire que pour avoir par exemple des unités réveillées tout de suite, bah, il faut être le mal incarné. Pour avoir le bien incarné, c'est pas ouf. C'est 25 de stabilité urbaine dans toutes les villes, c'est pas terrible. Limite, le bonus neutre est meilleur. Voilà, en production, nourriture. Et en gros, ce qu'il y avait de bien à l'époque, au tout début, quand le jeu est sorti, c'est que vous pouviez faire des archers avec un de portée de plus, ce que vous pouvez toujours faire, mais quand ils étaient éveillés, il y avait le petit côté, vous aviez de la précision en plus. Donc ça, c'était très fort, vous tapiez de très très loin, très précis, etc. Ça a été évidemment nerfé, hein. Ce que j'utilisais a été nerfé, et depuis, moi, je suis pas très très fan. Vous avez quand même une très bonne unité en T3, qui débuff défense et résistance d'un coup, en zone 1, hein, 1x de distance et de portée. Donc ça fait quelque chose comme 3, 6, 7, 7 cases, 8 cases, je sais plus, autour d'un point unique, hein. Donc en gros, c'est, voilà, c'est concentrique.
Donc celui-là là, et franchement moi c'est celle que je ferais en masse si j'étais élevé. Mais je trouve que c'est un dégât qui est vite contré, facilement contré. Ça reste fort, mais pour pouvoir faire ce pouvoir, il ne faut pas bouger. Donc il y a aussi des petites faiblesses avec ça. Les mages en combat automatique sont assez mauvais, faut le rajouter aussi. Et en plus de ça, il faut quand même dire que les mages sont un petit peu sous-cotés, déjà même par rapport aux archers, qui ont eux-mêmes été nerfés, les archers, un petit peu au début. Donc ça fait que moi je m'en suis un petit peu éloigné, je pense pas que ça soit non plus nul, mais pour moi c'est pas dans le top tier. Pour moi ça serait au même niveau que les féodaux qui sont, on pourrait dire les deux là, dans le mid tier. C'est pas nul, mais voilà. Barbare, alors barbare, faut bien comprendre que c'est je pense que c'est la race, j'allais dire, c'est la culture préférée des gens sur le multijoueur, mais pour une raison simple et une raison bien spécifique que vous devez bien comprendre, c'est que déjà quand vous spécialisez sur le critique, vous avez frappe sauvage. Donc c'est à dire que quand vous faites un coup critique direct, vous allez avoir plus 8 pour les attaques non répétées, plus 4 pour les attaques répétées. Donc si vous faites un critique, ça fait mal. Mais surtout, pour moi, ce qui est vraiment plutôt pas mal, c'est en multijoueur, pas contre l'IA, parce que l'IA est tellement nulle que même en brutal. Hein. Enfin, moi, je sais que je la démonte assez facilement. Je sais pas, hein, peut-être que je mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Peut-être que c'est dur pour vous, donc je respecte, hein, mais voilà. Mais quand vous êtes en multijoueur, vous jouez face à d'autres artistes, hein, effectivement. Et dans ce cadre-là, moi, je joue pas trop multijoueur. Donc, pour moi, le barbare, ça reste quand même en A tier, c'est très très fort, mais c'est pas S tier. Mais je comprends effectivement que le rituel de célérité, vous l'activez, et effectivement, ça vous permet d'activer ce truc-là et de partir en trombe de façon cosmique pour récupérer des points de déplacement et épuisement. Et donc c'est en gros la marche forcée qui vous permet de faire rejouer moyennant que vous perdiez 30% de vos PD, de vos PV, voilà. Et là c'est annulé. Donc en gros, forcément, en gros c'est comme si vous preniez un speedrunner et vous lui donniez ça, bon voilà, pour rusher vers la base ennemie, c'est voilà. Mais si vous êtes tranquille, parce que l'IA ne joue pas comme les joueurs, hein. L'IA triche. Et parfois même, ça sera peut-être plus intéressant de vous stacker plein de trucs le temps de monter en puissance. Plus le temps passe, plus c'est votre ami, en général. Alors évidemment, de temps en temps, il faut attaquer quand même, hein, parce que des fois, il y a des bons moments pour attaquer l'IA. Il ne faut pas non plus trop se la couler douce. Mais voilà, le temps est votre allié. Parce que plus vous avez d'enchantement, voilà, plus vous allez retourner le jeu très très vite. Plus vous avez vos T3 vite, plus ça va, voilà, etc. etc. Donc voilà. Le barbare, je comprends pourquoi c'est fort, je vais le mettre en A-tier, parce que je trouve qu'effectivement il y a vraiment de très très gros arguments, mais moi je suis un peu biaisé, peut-être Materialist prenez-la pour versus l'IA, pourquoi pas, hein. Mais je crois qu'en fait 90% des joueurs jouent versus l'IA, quoi, donc bon, voilà, donc pour moi ça reste pas nul, hein. Les barbares, parce que le barbare il reste aussi avec par exemple la frappe sauvage, vous pouvez très facilement stacker le critique, hein, notamment au corps à corps, notamment pour les escarmoucheurs aussi, qui sont concernés par ça. C'est très très fort. Donc attention, il reste ça et ça reste très fort. Maintenant, c'est pas mes préférés. Parce que n'oubliez jamais que, là je vous parle en général, mais il y a aussi les troupes qui sont associées. Les féodaux par exemple, pour moi, il n'y a pas de troupes qui me marquent vraiment. Ils sont vraiment très normatifs. Il y a vraiment... Vous avez un cavalier juste derrière là qui pique et qui fait un truc très standard. Avec des dégâts un peu, je crois que c'est un anti-dragon, peut-être, un truc comme ça. Mais voilà, c'est moyen, le reste est moyen. Les LV6 ont quand même l'unité mage T3 qui est très très forte, on peut quand même le dire. Le barbare, ils ont une unité T3 qui est très très forte, qui peut résister au coup. C'est-à-dire que ça s'appelle fermeté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le tuer ce tour-là. Vous ne pouvez pas le finir ce tour-là. Sauf si vous avez le T3 des mystiques qui enlève, qui débuff les buffs. Vous voyez ce que je veux dire? Qui enlève les buffs. Et dans ce cas-là, ça marche. Encore que, il faut utiliser deux unités pour le faire. Une première attaque pour le débuffer, et même s'il a un PV, et une autre pour le finir, en fait, pour le tuer.
Mais globalement, vous aurez pas toujours des mystiques en face. Donc franchement, le barbare, l'unité est très 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 forte. Hein. Elle fait très 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 mal. Elle met de grosses patates. Par contre, petite faiblesse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement avec cette unité. Mais encore heureux, parce que si elle avait eu en plus 48 de mouvement, le barbare, là, le berserker, ça fait très mal. Donc en plus, l'unité des trois qui est très très sympathique, hein, très sincèrement, voilà. Primitif, alors ça c'est sorti il y a peu. Vous avez une variabilité énorme. Alors moi, ce que j'ai retenu, j'ai pas trop joué, mais j'ai quand même joué un peu, c'est que le mammouth de glace est quand même très 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 fort. Vous avez de la production pour les provinces enneigées, et vous avez le mammouth lui-même qui est très tanky, qui est très qui fait de gros dégâts, qui peut charger, qui, enfin, vraiment il fait mal, voilà. Le reste est très correct et qui est rattaché, vous voyez, à un élément en plus à chaque fois, c'est-à-dire là c'est la nature, vous voyez, astral, etc. Et là vous avez un des meilleurs éléments en plus qui est l'ombre, qui est rattaché peut-être à une des meilleures arborescences de toute façon, donc c'est vraiment très, très très fort. Et ça connote aussi vos dégâts, hein. Par exemple là vous êtes spécialisé peut-être dans les dégâts un petit peu, je sais plus, de glace, hein, il me semble bien, voilà, avec le mammouth. Le tigre, ça sera le feu, etc. etc. Voilà. Donc ça, en gros, ça vous permet, early, je trouve que c'est peut-être une des meilleures cultures, parce que vous pouvez faire dropper votre monstre un peu totémique, hein, c'est un peu ça le totem, vous le faites dropper devant l'ennemi, limite, vous pouvez faire ça, et vous pouvez bypasser la distance à franchir quelque part. Donc c'est très fort au début. Après, ça commence un peu à se tasser sur le mid-game et le end-game. Sachant qu'en plus, ils l'ont nerfé, puisqu'au début, vous pouviez le rechercher tout de suite. Là, je crois qu'il faut attendre quelques éléments avant de pouvoir le faire. Donc vous êtes piégé entre... Ça va être très fort à la fin du early, au début du mid, et après, ça va commencer à se tasser. Donc vous voyez, ça s'est un peu quand même resserré. C'est pas mal. Alors moi, le problème que j'ai avec le fonctionnement de cette culture, c'est qu'en gros, le bonus que vous avez, c'est que vous attaquez une fois, deux fois, trois fois, et après ça s'enclenche, vous avez un buff spécial pour l'unité qui a joué, et ça vous met du... Alors, c'est différent à chaque fois, mais par exemple, pour le Corbeau des Tempêtes, vous avez plus 3 de dégâts de foudre, et 4 dégâts de foudre aux ennemis à proximité. Alors moi, j'ai fait les calculs, parce que ça m'intéresse, je suis un petit peu un matheux par excellence, et j'ai constaté que en fait c'est pas si intéressant que ça, parce que en fait beaucoup de fights sont pliés avant même que vous ayez presque déclenché le truc. En fait, vous allez à peine en profiter, alors que d'autres, par exemple les élevés, ils ont pas besoin de ça pour avoir des boosts. Vous voyez, vous êtes éveillé, vous pouvez le faire tout de suite, et vous avez directement plus 2 ou plus 3, je sais plus, de... Faudrait regarder, plus 2, plus 3, plus 3, voilà, plus 3 dégâts d'esprit, voilà, vous les avez directement. Donc il y a un problème en fait, d'équilibrage, et malheureusement, moi je trouve que c'est... J'ai fait les calculs, c'est pas très intéressant. Alors c'est un petit peu plus intéressant, je dois quand même vous le dire, si la fight dure dans le temps, j'avoue. Mais même avec là, j'ai quand même de sérieux doutes, parce qu'à un moment donné, ça drop ensuite. C'est-à-dire que ça monte en puissance, et ça redescend. Et une fois que vous êtes à zéro, l'effet disparaît. Le fameux, par exemple, pour Corbeau des Tempêtes, le fameux boost dont on a parlé. Une fois que ça arrive à zéro, votre... au bout de, voilà, c'est un stack de 5, hein, il l'explique, là, au bout de 5, il se transforme en cumul de fureur, qui rebaisse ensuite. Et dès que c'est à zéro, vous le reperdez. Après, il faut le reconstruire à 5, ça se redéclenche, etc. Vous voyez, c'est... Mais, même sur un truc de long terme, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit intéressant globalement. Vous voyez, un petit problème peut-être. Donc je passe sur ça. Les ravageurs. Les ravageurs, c'est actuellement ma culture préférée, pour la simple et bonne raison de l'unité qui est derrière, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé, que je maîtrise parfaitement. Et je trouve que c'est vraiment l'unité parfaite. Hit and run, attaque par derrière, attaque un petit peu à distance avec le pistolet qui, voilà, qui peut quand même en plus subdiviser les défenses, les résistances, diviser par deux. Elle peut attaquer au corps à corps très fortement, voilà. Enfin, c'est vrai, pour moi, c'est l'unité parfaite. J'adore cette culture. Alors, par contre, il faut être d'accord sur le reste. Le reste des troupes est moyenne, voilà. Vous avez le canon à distance, mais il n'est pas très précis. D'où l'importance, pour le coup, de prendre le plus 20 en précision, que j'ai pris tout à l'heure. C'est aussi pour eux, hein, d'ailleurs. Vous savez, le mec qui est devant, là, hein, qui a le fusil, c'est... Voilà, parce qu'il n'est pas très précis. Donc, c'est bien de lui mettre de la précision. Alors, c'est une race qui...
fonctionne, que j'ai beaucoup utilisé, que j'aime beaucoup. Très intéressante parce que les gens à distance, quand vous marquez les cibles, c'est un effet d'état dans le jeu, vous marquez les cibles via des pouvoirs notamment, ou d'autres choses, vous prenez 10% de dégâts par pile de stack de marqués. Vous voyez, voilà, jusqu'à 5 en fait. Donc ça fait jusqu'à 50% de dégâts. C'est une dinguerie. Pour moi, les ravageurs sont vraiment forts. Alors, ils ont quand même un petit point faible, early notamment, c'est qu'ils n'ont pas de pierre de murmure. S'ils veulent bien me l'afficher, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pierre de murmure, vous vous rappelez, hein, si, je ne sais pas si je vous l'avais expliqué, mais en gros, c'est une pierre qui vous permet de convaincre les villes libres que vous leur donnez et qui monte progressivement pour les convaincre. Ce qui veut quand même dire que c'est une race très guerrière. Et que souvent, la première ville libre que vous avez, alors, oui, vous pouvez en avoir d'autres, hein, de pierres de murmure, via les arborescences, bien sûr. Mais ça veut dire que la première ville que vous croisez, si vous voulez pas qu'elle tombe dans les mains des ennemis, parce que ça va très vite, hein, des fois vous avez un gars qui vient vous visiter, donc c'est qu'il a pris contact avec la ville libre, il va vous la prendre. Donc vous devez faire une guerre contre cette ville libre, et donc la prendre, et la prendre par la guerre. Voilà. Donc c'est un peu, vous êtes obligé, faites-le directement, ne croyez pas d'attendre peut-être la pierre de murmure, la première que vous aurez, etc. Non, non. Avec ça, faut quand même jouer très agressif. C'est un peu le truc, c'est un peu le principe. Les travailleurs, donc ça c'est un peu, vous savez, c'est un peu les nains boucliers, hein, les un peu bulky. Aussi très fort. Hein. Très fort pourquoi ? Très aimé en multijoueur, parce qu'ils font de la prospection. C'est-à-dire, en gros, sur les montagnes, dans les sous-sols, etc. pour avoir des ressources supplémentaires. Donc ça c'est dingue, parce que effectivement, tout de suite, ça vous met une économie très forte. Spécialisés en production, et leur petit truc spécial, c'est de se renforcer quand ils subissent une attaque de mêlée, donc à distance, une fois par tour, ou résistance renforcée si c'est de la magie. Donc c'est quand même pas mal, franchement c'est quand même pas mal, c'est en gros la proposition la plus bulky de toutes les unités dont on a parlé. Après, moi je vous dis, hein, moi d'une certaine manière, je trouve que c'est très très bulky de faire du hit and run. Hein. Ouais, parce que vous reculez, les gens ont du mal à vous atteindre, donc bah, vous prenez pas de dégâts du coup. Ou moins de dégâts. Donc y a, ça se débat, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, c'est vendu comme tel. Et c'est quand même, c'est une des meilleures. Hein. Là, moi je dirais quand même, vous pouvez le mettre dans le A-tier, hein, ça. Donc j'ai pas dit, hein, mais ça j'avais mis mid-tier pour les deux premiers. Là, on peut mettre A-tier. Là, je dirais mid-tier pour le primitif. C'est pas nul, hein, mais mid-tier. Pour moi, ravageur, je mets S tier. Sombre. Alors les sombres, c'est en gros, vous avez abattre les faibles. Donc abattre les faibles, ça a changé. Ils ont un peu nerfé. Enfin, je sais plus ce qu'ils ont fait. Ils ont nerfé, je sais plus. Non, c'est toujours pareil. Hein. Vous avez 20% de dégâts si les mêlées le font sur quelqu'un qui est affaibli. Et les attaques à distance qui ont 90% de chance de mettre affaibli. Avec 10 PV de restaurer une fois par tour. Alors moi, le problème que j'ai avec ça, c'est pas que je trouve que c'est nul, c'est que ça dépend beaucoup du fait d'avoir affaibli les gens. Alors certes, vous avez 90% de chance de le faire. Mais je vous dis, quand vous avez une bonne résistance d'état, vous avez que 60% de chance de faire l'effet d'état. Il suffit, par exemple, que ça passe pas le premier coup. Selon le nombre d'attaques que vous avez, ça, vous pouvez être dedans. Voilà, vous pouvez être dedans. Et alors souvent, quand même, vous allez avoir affaibli. Mais déjà, vous voyez qu'il faut une répartition. Il faut des gens qui affaiblissent et des gens qui sont emmêlés. Si vous voulez focus sur un type d'unité, c'est spécifique. Vous voyez, voilà. D'autant plus que ça peut aussi également... Parce que n'oubliez pas que affaibli, c'est le pendant parfait de renforcer. Si le gars a une pile de renforcer, affaibli va annuler le renforcer, mais pas le mettre affaibli. Donc du coup, vous n'aurez pas 20% de dégâts, voilà. Eh oui. Eh oui. Donc c'est un gros problème de ce fonctionnement, c'est que les sombres se basent beaucoup sur l'adversaire, finalement, et selon les situations. Vous voyez. Et j'aime pas trop ça. J'aime pas trop parce que c'est, en fait, quand vous y jouez, vous y ressentez ça, en fait. Vous voyez. Vous n'avez pas toujours votre bonus, vous voyez. C'est un petit peu... Ça me dérange, en fait. Ça me dérange. Donc ça, j'y mettrais... plutôt l'autière. L'autière, pour moi, c'est peut-être actuellement ce qui est le moins bon. Alors, je sais qu'ils ont fait un petit boost, hein, un buff du mage en question qui est sur la droite, là, qui a pris 2. Parce qu'en fait, on comprenait pas pourquoi il y avait des dégâts en moins. Et ils l'ont remonté à 10, hein, je crois. Voilà, et oui, le buff, parce que quand on buff quelque chose, hein, c'est que c'est... Oui, forcément.
Bon, sinon, c'est pas complètement à chier, mais c'est variable, c'est variable. Donc moi, je n'aime pas trop, voilà. Et Mystique, que je mettrais d'ores et déjà S-tier. Hein. Pour moi, les deux qui sont en S-tier actuellement, c'est Ravageur, Mystique, et très 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 proche, je pourrais aussi le mettre en S-tier, Barbare en A-tier quand même, voilà. C'est les trois qui sont les plus forts. Et donc je finis avec Mystique et on s'arrêtera là. Alors Mystique qui a été patché, enfin j'allais dire patché, qui a été amélioré quoi, qui a été via une mise à jour, qui a été upgradé en fait de ouf, qui a été changé pour ce qui ne fonctionnait pas, et qui maintenant, vous avez trois propositions, Harmonie, Potentiel et Invocation. Alors je vous dis tout de suite, Harmonie c'est ce qui se rapproche de, le plus de ce qu'il y avait avant, voilà. Donc en gros avec votre... comment ça s'appelle déjà, le sort, le brise sort, voilà, le brise sort, la fameuse unité T3 qui débuff et qui fait le double de dégâts sur les invocations. Exceptionnelle unité. Pour moi, ça rivalise presque avec l'unité dont je parlais juste avant, l'escarmoucheur dont je parlais juste avant. C'est les deux meilleures unités du jeu, mais sans aucun problème. Elle est vraiment très 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 forte. Pendant très longtemps j'ai joué avec, je peux vous assurer que c'est une dinguerie. Les invocations se font pulvériser. Ça attaque en zone, c'est-à-dire que vous avez la case du milieu plus toutes celles autour. Voilà. Vous avez aussi enlevé les debuffs contre les barbares. Ils vous envoient, vous savez, les berserkers, là, intuables, hyper chiants, qui ont fermeté, que vous ne pouvez pas tuer, et ils vont pouvoir jouer encore un tour. Avec ça, j'ai deux brises sorts. Il y en a un qui l'amène à fermeté, l'autre qui enlève la fermeté, et enfin un dernier qui peut le tuer. Et là, c'est quand même une épine dans le pied en moins, donc c'est vraiment très très fort. Le fonctionnement est dingue, c'est-à-dire que vous avez des syntonies lame stellaire qui ont changé. Vous avez le choix désormais, ce n'est plus aléatoire. Avant c'était dégâts de feu, dégâts de foudre ou dégâts de gel aléatoire. Maintenant c'est en fonction du sort que vous lancez, c'est toujours avec un sort qu'on lance, hein. Sauf que vous avez le choix. Donc si je lance toujours le même type de dégâts, par exemple si j'ai une stratégie, vous savez, débuffer avec humidité les ennemis, ils prennent des debuffs en foudre, et ben je fais des sorts de foudre pour augmenter mes dégâts de foudre et taper foudre sur eux. Vous voyez, très 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 fort. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Les échos astro, bon, ça n'a pas trop bougé. Par contre, maintenant, vous pouvez très clairement faire du lancement d'écho, c'est-à-dire avoir du rab une fois par tour. Ils ont nerfé parce qu'il y a là eu un patch, donc ils ont sorti le fameux patch pour rajouter tout ça. Et puis ils ont vu que c'était cheaté parce qu'on pouvait le faire à la chaîne. Donc ils ont fait un patch très très rapidement, hein, une sorte de hotfix, on va dire, pour changer ça, parce qu'effectivement on pouvait faire à la chaîne, on pouvait invoquer à l'infini tant que vous aviez les points. Donc quand vous étiez en mid-game, que vous avez bien accumulé les points d'écho astro, ça a commencé à faire mal parce que, par exemple, des pouvoirs comme guerrier élevé, c'est-à-dire les médaillés en chaîne, on pouvait le faire en chaîne. Donc c'était complètement dingue. Donc voilà. Et donc là, ils ont ramené ça une fois par tour, mais même. C'est-à-dire que vous dépensez vos points de lancement de carte mondiale, vous n'en avez plus, vous pouvez encore en dépenser encore avec ces points-là, une fois par tour. Donc c'est quand même énorme. Ça aussi, c'est un gros point fort. Quand vous avez des gros trucs à faire, putain, c'est... Vous prenez de la vitesse par rapport aux adversaires, c'est une dinguerie. Le reste, j'ai testé un peu, j'ai testouillé. Le potentiel, c'est basé sur les sorts de combat qui sont boostés un petit peu. Vous voyez, parce que souvent, on est d'accord, hein, les sorts de combat, c'est pas ouf. Les sorts de combat, là, du coup, ils sont ultra boostés. Vous pouvez les surcharger. Vous pouvez aussi accumuler de la discorde. Ce qui veut dire que vous... Quand un sort est surchargé, ils subissent encore des dégâts de foudre. Voilà. Et ils perdent tous les cumuls. C'est énorme. Enfin, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Si vous voulez jouer un peu avec les sortilèges, voilà, de différentes natures, il y a dans certains tomes, il y en a des très bons, partez sur ça. Parce que ça, c'est vraiment, si vous voulez jouer avec les sorts, c'est exceptionnel. Et enfin, invocation. Donc là, c'est une spécialité un peu différente. C'est la spécialité, bah, comme son nom l'indique, des invocations. Donc là, vous aurez des invocations qui seront beaucoup plus balèzes. Je crois que vous pouvez les auto-médailler tout de suite, en fait, avec en dépensant des points des échos astro. Ce qui est fort, alors, je vais préciser quand même, c'est très fort au début mid-game.
Évidemment qu'à la fin du jeu, ça sera moins fort quand même. Ça sera moins fort déjà parce que vous avez plein d'options dans les arborescences pour déjà médailler un peu les invocations, déjà de base. Sans compter peut-être aussi tous les boosts que vous pouvez faire avec votre vilain. Que, voilà. Donc oui, early, mid. Ensuite, ça perd un peu en puissance, quoi, voilà. Hein. En plus d'un petit boost de morale pour chaque unité alliée de cette propriété. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, pour être tout à fait honnête, moi je considère que le brise-sort vous rend tellement de service, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, que je vous conseillerais quand même, parce qu'en plus vous n'avez pas que ça, hein, vous avez aussi les lames stellaires. Voilà. Si vous voulez jouer DPS et utilitaire, pour moi ça c'est vraiment fort. Par contre, je conçois totalement qu'il y ait vraiment de... J'avoue que j'ai pas trop joué, j'ai testouillé un peu. Je pense qu'il y a des utilités, mais moi, je retrouve pas... L'harmonie, pour moi, c'est vraiment... C'est au top du top. Alors après, on peut faire des distinctions. Hein. Harmonie, j'y mettrais S tier. Potentiel et invocation, pour moi, on peut y mettre A tier. Vous voyez, par exemple. On peut le faire comme ça aussi, hein. C'est pas impossible. Parce que c'est vraiment... C'est quand même un peu différent. Je rappelle quand même, hein, que dans le potentiel... L'unité T3 change. Et oui, vous n'avez pas le brise-sort, vous avez une autre unité, qui est pas mal, hein, mais qui est pas aussi bien. Clairement pas aussi bien. Donc, voilà. C'est quand même intéressant. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo de 1h06. On va s'arrêter là. Donc, je vous ai présenté les cultures et les percs un petit peu avant des traits de forme physique. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura renseigné. Et puis évidemment, je pense qu'il y aura peut-être d'autres vidéos sur... Évidemment, j'ai pas fini, hein, il y a encore plein de choses à expliquer, notamment les tomes, parce que je crois que c'est quand même très important de faire un petit tour sur les tomes et d'aller un petit peu dans le détail. Je pense que c'est quand même très utile. Donc voilà. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec Age of Wonder 4. Et moi, je vous dis à plus.